Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Report. C'est encore un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur Nyans Report et nous repartons pour le témoignage puissant 66. En dessous, c'est tout s'abonner, cliquez directement là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un témoignage puissant où un homme, après sa mort, va rencontrer Dieu, Jésus-Christ. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est que nous allons découvrir ensemble ce témoignage pour savoir si de quoi il s'agit, afin de comprendre mieux ce qui se passe dans ce monde, ou en particulier dans l'industrie de la musique. Même de la musique que vous aimez écouter, la musique chrétienne, ça va être chaud. Ok, allons-y plus loin, ça va plus. Quand j'étais mort, j'avais quitté mon corps, et je fus transporté par l'ange de l'Éternel dans la cour royale du trône de Jésus-Christ. Une fois que j'ai atterri devant le trône de Jésus, ce dernier me parla avec une voix de tonnerre. Il m'a fait savoir que je t'ai mis à part pour le servir. Je pouvais pas regarder son visage car une lumière éclatante et étincelante générait des éclairs aveuglants. J'avais remarqué que Jésus avait quatre faces. Plus tard, l'ange du Seigneur me transporta visiter le monde céleste et me parla de mystères du royaume des cieux. Quelque temps après notre visite, Jésus lui-même nous a rejoints et l'ange du Seigneur a disparu. Puis Jésus me dit, Mimi, beaucoup de gens ne comprennent pas le passage de la femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Jésus m'a dit qu'il y a confusion sur ce passage, mais à vrai dire, cette femme est l'église de la fin des temps. Il est écrit que lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté à terre, qu'il poursuivit la femme qui avait donné naissance à l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât vers le désert à sa place. Alors, de sa bouche, le serpent vomit de l'eau comme une rivière, pour attraper la femme et l'emporter avec elle. Mais la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon jeta de sa bouche. Jésus me dit, en ce temps de la fin, il y a de l'aridité et du sécheresse dans mon église, et il y a de la faim dans mon église. Mes enfants sont à la recherche de la nourriture du temps de la faim. En effet, la femme qui est l'église est dans le désert, à cause du manque de nourriture et de la saine doctrine, à cause du fait que le serpent est en train de cracher de l'eau comme le fleuve pour entraîner la femme et la balayer avec le torrent. Jésus me dit, Mimi, l'eau que crache le serpent est de l'eau sale, en d'autres termes des fausses doctrines. Le diable travaille pour attraper la femme qui est l'église grâce aux fausses doctrines de démons. Ceci est un temps de sécheresse spirituelle. Le serpent déploie de faux enseignements et de fausses doctrines pour neutraliser l'église. Il déploie des doctrines des démons contre l'église dans ce temps de la fin, afin de précipiter la femme dans la perdition. L'église à la fin des temps est minée par les doctrines du matérialisme et du formalisme. Pourtant, la foi chrétienne n'a rien à voir avec les choses matérielles et temporaires qui vont passer. La doctrine de la prospérité est l'une des nombreuses doctrines de démons. Il est parmi les fleuves ou l'eau sale que le serpent crache contre l'église en ce temps de sécheresse afin de neutraliser l'église. Jésus me dit, Mimi, deux ailes du grand aigle ont été données à la femme afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert dans son lieu où elle est nourrie pendant un certain temps. Jésus me dit, les deux ailes de l'aigle représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus dit, les chrétiens doivent lire l'Ancien et le Nouveau Testament parce qu'ils sont ma parole. Je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Jésus me dit, Mimi, beaucoup de mes serviteurs comprennent mal ma parole prophétique. En effet, il y a deux cavaliers du cheval blanc dans le livre de la Révélation. Le premier cavalier est l'usurpateur. Il est écrit dans le livre de Révélation ceci. J'ai regardé et voici, un cheval blanc apparu. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui a été donnée, et il est parti en vainqueur pour vaincre. Jésus me dit, les gens disent que ce cavalier qui est sur ce cheval blanc est ma représentation, mais en réalité je ne tiens pas un arc et une flèche. Mais si les gens me cherchent dans le livre de la Révélation, ils me trouveront dans le livre de l'Apocalypse 19 verset 11, comme il est écrit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. » Jésus dit, « Mimi, Satan ne donne rien pour rien. Quand vous vivez dans le péché, vous mourrez. Quand vous recourez à l'occultisme, vous mourrez. Le cheval blanc est la représentation du plaisir du péché, mais le sort de ceux qui prennent plaisir au péché est l'aiguillon de la flèche de ce cavalier du cheval blanc. Quand vous vivez dans la fornication, vous allez trouver la jouissance. Quand vous pratiquez la magie, vous y trouverez du profit, mais à la fin vous mourrez, parce que le cavalier du cheval blanc va vous frapper avec sa flèche.
Vous tomberez victime de l'aiguillon du cavalier et du cheval blanc, car la salaire du péché, c'est la mort. Ceci est la représentation du cheval blanc. Jésus me dit, le diable va utiliser son arc et sa flèche contre celui qui prend plaisir dans un style de vie de péché. La couleur blanche de ce cheval est la représentation du plaisir et de la jouissance qu'il y a dans le péché, mais la saleur du péché est l'aiguillon de la mort du cavalier et du cheval blanc. Mimi, dis au peuple de Dieu que je ne tiens jamais un arc et je n'utilise jamais une flèche. Après ces explications prophétiques, alors Jésus m'a emmené à l'intérieur d'un bâtiment dans le royaume céleste qui était à vrai dire la banque céleste. Dans cette banque céleste, j'ai vu beaucoup de tiroirs. Sur chacun de ces tiroirs, j'ai vu les noms des croyants. Jésus me dit, tous ces tiroirs appartiennent aux enfants de Dieu. Et chacun de ces chrétiens a son nom écrit sur son tiroir où ses trésors et ses richesses sont conservés. Jésus dit, quand mon peuple stocke des trésors et de la richesse dans cette banque, les détails sont également inscrits dans le livre de souvenirs. Il est écrit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus dit, lorsque mes enfants se trouveront en difficulté, même s'ils ne prient pas, j'interviendrai sur la base de ce qui est écrit dans le livre de souvenirs. Cette banque ne finira jamais car il va de génération en génération même jusqu'à vos enfants. Vous ne devez pas vous relâcher de bien faire car tout s'est enregistré dans le livre de souvenirs. Puis Jésus dit, Mimi, je descends souvent et visite la terre mais les gens ne me reconnaissent pas parce que je prends la forme des hommes ordinaires. Quand les gens se retrouvent dans de situations difficiles, quand ils pleurent à Dieu pour le secours, je viens physiquement mais ils ne peuvent pas me reconnaître parce que je prends l'apparence des hommes ordinaires. De temps à temps je visite les chrétiens physiquement sur la terre, mais ils ne peuvent pas me reconnaître parce que je prends l'apparence humaine. Quand mes enfants affrontent des difficultés et des situations difficiles, j'interviens personnellement sous le déguisement de l'homme ordinaire. Jésus me dit, Mimi, les gens vont à l'église dans votre pays le Congo? Bien sûr, j'ai répondu, beaucoup de gens viennent à l'église dans mon pays. Jésus me dit, Mimi, votre pays le Congo est Sodome et Gomorre. J'ai été stupéfait d'entendre ceci. Jésus me dit, Mimi, quand le prophète Élie était devant le 400 prophètes de Baal, il a utilisé du bois, des pierres et de l'eau. Par conséquent, le feu était descendu du ciel. Jésus dit, dans la vie de chrétien, il doit y avoir la pierre qui est Jésus-Christ. Il doit y avoir du bois qui est la prière d'intercession. Il doit y avoir de l'eau qui est la parole. Jésus m'a demandé, les chrétiens combinent-ils ces trois choses? Ils doivent utiliser ces trois choses qui sont la prière d'intercession, la parole et la pierre qui est Jésus-Christ pour produire le feu comme le prophète Élie. Disparu, et l'ange de l'Éternel a réapparu, nous avons commencé à nous déplacer, et puis nous avons atteint un endroit où l'ange du Seigneur m'a demandé, « Mimi, quel genre de musique aimes-tu ?» J'étais sur le point de répondre à cette question quand l'ange a soulevé sa main. À la suite de ceci, un écran géant apparut devant nous. Nous avons commencé à regarder comme dans un cinéma les images qui étaient projetées sur ce moniteur. On regardait une scène d'un homme qui était vêtu en robe blanche. Il portait une croix sur lui. Cet homme dialoguait avec deux individus. L'un était à sa gauche et l'autre à sa droite. Mais quand j'ai regardé attentivement, j'ai constaté que les deux hommes à sa gauche et à sa droite étaient le musicien Michael Jackson et notre musicien Koffi Olomide. Wow. Puis j'ai vu l'homme vêtu de blanc se mettre à harceler Koffi Olomide qui était mon idole. J'ai demandé à l'ange du Seigneur, qui est l'homme vêtu de blanc qui harcèle Koffi. Il me dit, Mimi, il est Lucifer le diable. Il m'a dit, Jésus ne met pas la croix sur lui. Et chaque fois que quelqu'un a une croix sur lui, ce n'est pas Jésus, il est l'usurpateur. Le diable demandait Koffi, où sont les âmes que tu m'avais promis? Et le musicien Koffi suppliait ce dernier de lui accorder plus du temps. Puis le diable dit à Koffi, « Voici mon serviteur fidèle, il me donne de gens à chaque fois que je lui demande. » Satan se référait à Michael Jackson qui était à sa droite. Puis il demanda Koffi, « Où sont les âmes que vous m'avez promis ?» Le musicien Koffi a continué de lui supplier en demandant plus de temps. Puis Koffi dit à Satan, « Maître, je me prépare pour un concert qui va avoir lieu très prochainement. Tu peux venir enlever les années des mes fans et admirateurs qui seront présents si tu veux. » Mes frères et sœurs, vous avez entendu, ce témoignage est rendu commun. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ouvertement qu'il a vendu son âme au diable, faites attention. Faites attention. Et si un artiste ou encore qu'il soit chrétien
ou païen, si il a vendu son âme au diable, il va donner à Satan quoi? Ses fans. Tous ses fans, ou encore ceux qui vont aimer sa musique, seront tous livrés au diable. Leurs âmes seront livrées au diable. Ça veut dire que le diable pourra se servir. Ça sera comme un plat de gâteau où tout le monde peut venir se servir. Hein. Ce sera ça. Mais là, c'est vraiment très grave. Vous aimez tel ou tel artiste, mais ce dernier a un gros pacte avec le diable qui lui demande de vous sacrifier à Satan. Franchement, quelqu'un va dire, j'ai du mal à y croire. Oui, nous tous nous avons du mal à y croire. Mais ici, il ne s'agit pas de croire ou de chercher à croire ou pas. C'est la vérité qui est devant nous. Et vous-même, cherchez, vous allez trouver. Est-ce que dans les clips de ces chanteurs-là, y a-t-il pas de symboles sataniques? Si vous trouvez dans leurs clips, des symboles sataniques, automatiquement, vous avez votre réponse. Est-ce que les chansons que vous écoutez glorifient Dieu? Sinon, vous avez déjà votre réponse. Si vous voulez savoir quels sont les symboles sataniques, allez sur Google. Tapez simplement symbole satanique ou symbole occulte. Vous allez trouver. Cherchez et vous trouverez. Parce que là, ça devient car quand on parle de la musique, c'est tout le monde qui est concerné parce que tout le monde aime la musique et la bonne musique. Donc, imaginez ce qui se passe réellement sur la terre. Franchement, c'est grave. Maintenant qu'il demande au diable de venir à son concert pour se servir, que va-t-il se passer? Écoutez ce témoignage pour en savoir plus. Étant donné que j'étais une fan de Koffi Olomidé, j'ai été choquée de regarder ceci et lui entendre parler de la sorte. À vrai dire, je connaissais toutes ses chansons par cœur. En tant que fan de Koffi, j'étais juste déçue de voir la manière qu'il suppliait Lucifer. Il lui a dit, vous pouvez venir dans mon concert. Vous pouvez tuer ou enlever des années de vie des gens qui viendront dans mon concert. Ça dépend de vous. Alors l'ange me regarda et me dit, Mimi, vous voyez ceci? Je lui ai répondu. À partir de maintenant, je ne suis plus fan de Koffi. L'ange rétorqua, non seulement lui, tous ces musiciens servent Satan, vous voyez qui est leur maître. Puis l'ange m'a demandé, Mimi, vous connaissez la salle Bercy de Paris? Je lui dis, tout le monde dans la ville le connaît. Il me demanda, vous aimez le concert qui se tient à Bercy? J'ai répondu, bien sûr. En vrai dire, cette salle de Paris est vraiment populaire et bien connue dans mon pays. Les concerts dans cette salle sont chauds. C'est comme ça que l'ange me demanda, Mimi, savez-vous la signification de Bercy? Tu dois savoir que Bercy signifie bienvenue encore au rythme de cimetière. J'ai dit à l'ange, que dites-vous à propos de la lettre Y à la fin de Bercy? L'ange me répondit, Mimi, vous pensez que je ne suis pas intelligent. Ton nom est Mimi. Même si je mets Y à la fin, c'est toujours Mimi. Le serviteur de Lucifer font de changement pareil pour duper. Tromper et cacher la vérité à la masse. L'ange me dit, Mimi, vous connaissez la salle Olympia de Paris, n'est-ce pas? Bien sûr, dis-je, ces deux salles sont toujours pleines pendant le concert. L'ange me dit, Olympia signifie horreur dans ce lieu impur actuel. Alors j'ai dit à l'ange, mais ça commence avec O. L'ange me dit, ils ont enlevé le H pour camoufler le sens de ce nom. Plus tard, j'ai demandé l'ange du Seigneur à propos de la salle Zeni. Il me dit, Zeus est une divinité populaire dans la Grèce antique, mais ce démon est tout de même actif aujourd'hui. L'ange me dit, Zenith est tiré de nom latin, mais en français ça veut dire Zeus normal pour l'intérêt ténébreux. J'ai dit à l'ange du Seigneur, vous ne vivez pas sur la terre, mais comment savez-vous toutes ces choses? Vous ne vivez pas sur la terre, mais comment savez-vous toutes ces choses? Ça veut dire que nous qui sommes sur la terre, ceux qui sont des humains, que nous trouvons sur la terre, nous devons parvenir à la connaissance de toutes ces choses. Sinon, comment ça va se passer? Comment? Mes frères et sœurs, nous devons parvenir à la connaissance de la vérité afin que nous soyons sauvés. C'est vraiment indispensable. Hey! On nous dit que des stars sont réservés ou encore attribués au diable. C'est Lucifer lui-même qui les a fabriqués et ces salles ont été conçues en honneur du diable. Ça veut dire que si la salle a été dédiée à Satan, le diable va venir s'asseoir dans la salle lorsque les gens seront en train de chanter. Et lui aussi, il va se mettre à danser avec eux parce que c'est lui que les gens vont adorer dans ces salles. C'est ce que ça veut dire. Et les démons vont venir s'asseoir
là-bas. Mais si on te dit que c'est ça là, signifie un endroit de cimetière, un endroit cimetière. Tu attends quoi? Ça veut dire les morts vivants, les cadavres peuvent sortir de la tombe pour venir aussi là-bas. Et ce seront les démons. Et ils vont venir où? Hanter les gens. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains concerts, il y a des gens qui tombent et ils meurent. On ne sait pas ce qui se passe. Les gens tombent en transe. On ne sait pas, on ne comprend pas. Mais ceux qui tombent en transe, ces gens-là, ils sont en train d'être possédés par des démons. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop fans. Non. Quand on est trop fan, on chante la musique tranquillement. Pourquoi tu vas trembler à cause de quelque chose? Pourquoi tu vas perdre la vie à cause de la musique? C'est parce que cette musique n'est pas une musique simple. Et la salle où tu es là-même là, est déjà une autre dimension. Les gens se trouvent dans une salle, même dans un tel endroit, et ils pensent qu'ils sont dans une salle, alors qu'ils sont déjà connectés au monde des ténèbres. Spirituellement parlant, cette salle-là est transformée en une autre dimension. Ça peut même être un cimetière proprement dit. Ce sont des révélations et c'est Dieu qui nous parle ce soir. C'est pas tout, ça va être chaud. C'est parti. Est tiré de nom latin, mais en français ça veut dire Zeus normal pour l'intérêt ténébreux. J'ai dit à l'ange du Seigneur, vous ne vivez pas sur la terre, mais comment savez-vous toutes ces choses? Cet ange parlait calmement avec assurance car il savait de quoi il parlait. Il me dit, Mimi, qui ces salles de loisirs et concerts sont de par le monde, mais ils sont consacrés aux démons et portent de noms mystiques. Je me suis dit, cet ange a oublié la salle et laissée. Et donc j'ai demandé l'ange de l'Éternel à propos de la salle LSC de Paris qui est aussi populaire. L'ange me dit que le nom LSC signifie lieu satanique. L'ange me dit qu'il y a beaucoup de ces salles. Les noms de ces salles sont préparés dans le royaume des esprits. En écoutant cet ange, je regrettais d'avoir assisté à ce concert. L'ange me dit, quand il y a concert, le diable apparaît personnellement dans ce salle et il se suspend dans l'espace. Et il se vante du fait qu'il gouverne le monde. Voilà. L'ange me dit, de nombreux musiciens ont livré des âmes de leurs fans à Satan le diable pour la notoriété et la célébrité. Puis l'ange me demanda, Mimi, de quelle manière ces musiciens procèdent pour sacrifier leurs fans à Satan? Comment sacrifient-ils les âmes humaines au diable? Mimi, que se passe-t-il quand le diable demande à un musicien de lui offrir un sacrifice humain? En fait, dès que Lucifer demande à un musicien ou célébrité de lui offrir un homme ou une femme, le musicien va adopter un nouveau style de coiffure ou un nouveau style vestimentaire. Dans d'autres cas, il va adopter un nouveau type de tatouage. Et puis il l'affichera au public. Dès lors qu'il a beaucoup de fans, ces derniers seront tentés de copier son nouveau style vestimentaire. D'autres vont copier le nouveau tatouage de leur idole. D'autres vont copier la nouvelle coiffure de leur célébrité préférée. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Regarde tes cheveux. Même alors, je suis en train de parler là-même. Là. Regarde tes cheveux. Tes cheveux. Tu vas tout me dire. Est-ce que les cheveux que tu as sur la tête là, souvent là, ça ne cache pas un œil? Est-ce que tes cheveux là, ça ne tombe pas ici comme ça ne cache pas un œil? Ça là, c'est un signe du diable. C'est l'œil de Lucifer là, qui se trouve sur toi, que tu essaies de représenter partout, même à l'église où tu vas. Ses fans et admirateurs voudront copier ses styles de cheveux, ses styles de vêtements et tatouages. Et pourtant, selon le monde des esprits, quiconque va copier les nouveaux styles de cheveux, le nouveau style de vêtements et tatouages de ses célébrités et stars, son visage sera affiché dans les écrans et répertoires du royaume de Lucifer, et son âme sera immédiatement emprisonnée dans leur prison dans le royaume spirituel bien qu'il va continuer de vivre sur la terre. Il sera ainsi programmé pour le sacrifice. Ces musiciens ont beaucoup de fans dont les esprits sont emprisonnés dans le monde de Satan, bien qu'ils vivent sur la terre. Il ne sera pas long avant qu'ils soient exécutés, juste parce qu'ils voulaient copier le style de cheveux, le tatouage et la tendance de leur idole. Ces fans vont mourir dans les accidents, la maladie, les arrêts cardiaques de façon séparée et isolée. En conséquence, personne ne pourra suspecter ces musiciens et célébrités, car les gens seront sacrifiés de façon isolée et séparée. L'ange me dit, d'autres musiciens ont la coutume de jeter de l'argent dans le place publique, et les gens qui seront sacrifiés seront parmi ceux qui vont ramasser cet argent. Vous avez entendu? Vous avez entendu, mes frères et sœurs? La vie est dure, hein? C'est difficile pour s'en sortir. Donc, l'argent, on ne l'obtient pas facilement. Mais si vous voyez que l'argent se trouve, un billet de banque se trouve à terre comme ça,
Ne soyez pas tenté de le ramasser. Vous savez pourquoi. Hey, ne soyez pas tenté de le ramasser. Mes frères et sœurs, faisons attention aujourd'hui. Hey. Dans le témoin précédent, on en a parlé. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Un sataniste qui cherchait à faire des sacrifices au diable, il allait jeter plusieurs billets de banque dans une école. Tous les enfants qu'on ramassait ont tous été sacrifiés. Allons-y pour en savoir plus. Place publique, et les gens qui seront sacrifiés seront parmi ceux qui vont ramasser cet argent. Une fois que tu ramasses cet argent, tu es un potentiel candidat au sacrifice humain. Puis l'ange disparut et Jésus est venu. Jésus me dit l'Antichrist est au travail. Et de nombreuses choses écrites dans le livre de la Révélation seront spirituelles. Mais l'Antichrist est à l'œuvre, et il fabrique de nombreux objets que les hommes utilisent qui ont le code le 555. Jésus dit, à chaque fois qu'un chrétien achète le modèle de l'assiette 555, il devrait mettre mon sang dessus. Alors Jésus m'a dit, 5 plus 5 égale 10 et 10 plus 5 égale 15. Quand nous prenons le nombre 15 et nous le séparons, 1 plus 5 égale 6. Donc vous avez ici affaire à 666. Mais wow. Le diable ne va pas juste écrire 666 comme ça. Il va utiliser 555 pour la mascarade. Mais ce calcul révèle l'astuce. Jésus me demanda, Mimi, dans ton pays vous utilisez le dollar? Bien sûr, dis-je. Jésus me dit, mais avez-vous questionné la signification de ce symbole S barré qui représente le dollar américain? J'ai répondu, non. Jésus me dit, le symbole S barré du dollar américain représente Satan lui-même. Puis wow. Jésus me parla du cube magique que les mamans utilisent comme ingrédient dans les sauces. Il me parla aussi de l'ingrédient appelé goût de vedant que nous utilisons au pays. Jésus me dit, dans le dictionnaire français Larousse page 798 il y a le mot veda, qui est décrit comme un livre mystérieux et satanique, mais le diable qui est le trompeur a ajouté n à la fin de ce mot, comme résultat vous vous retrouvez avec vedan au lieu de veda. Jésus m'avertit que les ingrédients alimentaires comme le cube magique et le goût vedant sont envoûtés et ensorcelés. Il me dit, dites aux mamans sur la terre de les sanctifier avec mon sang avant de le mettre dans leur sauce. Vous avez entendu, même la sauce que tu as dit de manger en ce moment, je suis en train de te parler là. Il y a du cube magique à l'intérieur. Là, je suis sûr que tu as. Si je t'ai de manger et tu viens d'entendre ça, c'est sûrement ta cuillère se trouve encore dans ta bouche ou bien tu l'as bloqué parce que tu es étonné. Faut prier, oh, prions mes frères et sœurs, parce que le diable il travaille dans toutes les dimensions pour pouvoir tout simplement bloquer tous les humains. Imaginez la suite. Hein? Autrement, les consommateurs de la nourriture seront ensorcelés. Puis Jésus me dit, le même mot veda est utilisé dans le Vodacom. Au lieu de veda, ils ont enlevé le, ils l'ont remplacé avec le O. C'est ainsi que vous avez Vodacom. Mais à la fin de com, il y a la lettre S. C'est la signature de Satan qui aime rappeler sa présence et mettre ses cachets dans ses inventions. En effet, la technologie du téléphone cellulaire provient de lui. Jésus me dit, Mimi, je ne vous demande pas jeter vos téléphones cellulaires, mais plutôt de prier sans cesse. Priez pour tout ce que vous achetez sur la terre. Tout simplement, priez pour tout ce que vous achetez sur la terre. C'est important. Mais si vous voyez un truc où il y a carrément le chiffre, 666 dessus, ne l'achetez pas. Si vous voyez un truc, on voit un dragon dessiné là-dessus, ou une sirène dessinée là-dessus, est-ce que vous allez l'acheter? Si vous l'achetez, ça vaut risque et péril. Est-ce qu'on peut délivrer un démon? On ne peut pas le délivrer un démon. Donc, tu as prié sur ce vêtement-là, tu te fatigues, c'est déjà possédé. Donc, achète un nouveau vêtement sans de tels symboles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons parvenir à la connaissance de la vérité concernant le diable et ses manifs, ses stratégies. Même qui sont ces démons, comment ils travaillent, dans quel domaine ils travaillent, nous devons savoir toutes ces choses. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide aujourd'hui. Mais nous, recherchons la vérité, cherchons ce qu'il faut pour avancer dans la vie. C'est important. Téléphone cellulaire, mais plutôt de prier sans cesse. Priez pour tout ce que vous achetez sur la terre. Puis Jésus me dit, un homme avait un champ. Il avait semé et planté des légumes, du manguier et de l'avocatier. Au fil du temps, les légumes ont poussé et les deux arbres avaient aussi poussé. Il était heureux car très bientôt il va apprécier le fruit des arbres qui étaient près de donner des fruits. Puis un jour, alors qu'il pleuvait, cet homme s'endormit.
Mais quand il se leva le matin, il constata que la pluie et le vent avaient détruit ses légumes et déraciné les deux arbres qui avaient poussé et qui étaient prêts à donner de fruits. Jésus m'a demandé, « Mimi, dis-moi quel sera le sentiment de cet homme ?» Je lui ai dit, « Ce sera pénible et douloureux pour lui car il espérait manger et profiter du fruit de ses arbres et de ses légumes. » Jésus me dit, « Mimi, ceci est la situation dans laquelle je me retrouve. J'ai beaucoup des enfants et de serviteurs qui sont emportés et déracinés par le vent, la pluie et le déluge, qui sont la représentation du plaisir et des biens de ce monde. Mes enfants sont emportés et attirés par les choses de ces mondes. Ils veulent gagner ce monde et dans ce processus, ils perdent leur âme. Ils continuent à construire de grands bâtiments mais ils sont engloutis par l'influence de choses et de ce monde. Et pourtant Paul a dit, « Je compte toutes choses comme une perte par rapport à l'excellence de la connaissance du Christ mon Seigneur, pour qui j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures pour que je puisse gagner le Christ. » Dit Jésus, « Mes enfants peuvent revenir à moi s'ils le veulent, et je serai heureux de les accueillir mais l'amour du monde et les choses de ce monde les arrêtent. » L'amour du monde et des choses de ce monde les arrête. Mes frères et sœurs, c'est quoi l'amour du monde et c'est les choses de ce monde? Si le dimanche qui arrive là, on te dit que ton artiste préféré a un concert, le même dimanche là, toi tu dois aller à l'église. Tu vas faire un choix ce jour-là. Tu vas dire, ah, il ne va pas faire un concert deux fois ce jour-là. Moi je ne vais pas aller à l'église, je vais plutôt faire quoi? Aller à ce concert-là. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu décides de choisir le diable et d'abandonner Dieu. Ah! Mais vous, ça, c'est la vérité. Tu vas voir la fille. Elle va aimer tout ce qui est beau, tout ce qui est joli. Le Seigneur dit, franchement, tu aimes t'embellir, mais le rouge à lèvres que tu as sur tes lèvres comme ça, là, ça va te fatiguer, il faut arrêter ça. Elle m'a dit non. Moi, franchement, tu es beau. Seigneur, tout ce que tu dis, c'est bon. Mais ce que tu as me dit par rapport au rouge à lèvres, aux cheveux, faux cheveux, bon, franchement, est-ce que tu ne me trouves pas belle? S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés, mais ça, là, je ne suis pas prête à laisser. Les gens construisent de grandes maisons. Vous allez le voir dans les grandes maisons. Mais quand vous allez le voir à l'intérieur, ils passent tout le temps à pécher, se pécher, se pécher. Ça sert à quoi d'avoir des grandes maisons? Ça sert à quoi d'avoir des grandes voitures? Si toi, tu as un mauvais comportement, si ton comportement, ou encore tu ne glorifies pas Dieu dans toutes tes actions, dans toutes tes voies. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu aujourd'hui pour nous guider. Qu'en pensez-vous? Le Seigneur te parlait, écoutez-le encore. Connaissance du Christ mon Seigneur, pour qui j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures pour que je puisse gagner le Christ. Dit Jésus, mes enfants peuvent revenir à moi s'ils le veulent, et je serai heureux de les accueillir mais l'amour du monde et les choses de ce monde les arrêtent. Ensuite Jésus me dit, Mimi, tout ce qui s'est passé autour de ma mort a un sens. Quand je me suis tenu devant Pilate, il m'a demandé, es-tu le roi des Juifs? Je lui ai dit, tu l'as dit. Ces paroles sont l'expression de l'autorité, Mimi. Tu vas dire à mon peuple à apprendre à exercer l'autorité. Ils doivent apprendre à parler, déclarer et décréter des choses avec autorité, parce que sur la terre il y a aussi des gens méchants. Quand ces gens déclarent des paroles de méchanceté, ça se réalise. Jésus dit, « Quand je me tenais devant Pilate, nous étions tous deux rois et nous étions face à face. Et nous étions deux rois en face. Pilate était un roi mais je suis le roi du roi. C'est pourquoi Pilate enleva son manteau royal et l'a mis sur moi. Il pensait qu'il se moquait de moi, mais c'était symbolique. À vrai dire, il honorait ma royauté et mon autorité en me remettant sa royauté et son autorité. C'était l'accomplissement de l'écriture. Il honorait le roi de rois sans le savoir. Il remettait son pouvoir et sa royauté au roi du roi. Jésus m'a dit, Mimi, j'ai été crucifié avec deux voleurs. Le premier a dit, si vous êtes le fils de Dieu, sauvez-vous. Mais le deuxième voleur m'a dit, Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. Les deux voleurs représentent l'Israël de la chair et l'Israël de l'esprit qui est l'Église composée de gens de toutes les nations. Il est écrit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus a dit, je suis venu pour l'Israël de la chair,
Mais ils ont foulé la grâce aux pieds, mais les nations de la terre qui ne me voient pas me reçoivent. Ceci est le type de la reine Esté et de la reine Vashti. La reine Esté représente l'Israël de l'esprit qui est l'Église. La reine Vashti représente l'Israël de la chair. Jésus dit, Mimi, l'Israël de l'esprit qui est l'Église a reçu le double portion, parce qu'ils sont les enfants et ils sont serviteurs, alors que les enfants d'Israël n'étaient pas des enfants, mais plutôt des serviteurs. Mais vous, l'Église, vous êtes à la fois des enfants et serviteurs parce que vous avez le double portion. Je voyageais dans le monde spirituel avec cet homme qui était Jésus, qui plus tard se transforma en grand aigle et me demanda de monter sur son dos. Il m'a demandé de tenir les ailes du grand aigle. Bien-aimé, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Je l'ai vu se transformer en un grand aigle. Après avoir voyagé, nous avons atterri dans un endroit où j'ai vu des hommes de Dieu entrer dans un bâtiment, où Satan était assis devant une table ovale. Ses pasteurs apportaient les cheveux et le sang de leurs membres qu'ils avaient sacrifiés, et ils recevaient des fonds de la part du diable. Jésus me dit, « Vous pouvez identifier ces pasteurs à travers le symbole de leur église. Mais parmi ces pasteurs, j'ai vu cinq hommes de Dieu de mon pays. Ces pasteurs ne prêcheront jamais la repentance et la sainteté. » Je pleurais quand j'ai voyé les hommes de Dieu venir avec les cheveux et le sang des croyants qu'ils savaient sacrifier. Bien-aimés, ne laissez pas tout pasteur vous imposer les mains, la Bible dit, mais quand vous verrez debout dans le lieu saint l'abomination de la désolation décrite par le prophète Daniel, que celui qui l'y fasse attention. Puis soudainement Jésus a disparu devant moi, alors que je me posais la question de savoir où il était. Du coup je vois comme un fleuve. Cette fleuve qui était bleue avait la forme d'un losange. Puis j'ai vu une main puissante au-dessus du fleuve, et puis j'ai vu un arbre au milieu de ce fleuve. Alors que j'ai contemplé ce fleuve, du coup je vois un lion qui apparut devant moi. Ensuite j'ai vu ce lion se transformer en un homme. Cet homme me dit, Mimi, approche. Une fois que je me suis approché de cet homme, j'ai constaté que l'homme était Jésus-Christ. Puis la main qui était au-dessus du fleuve commença à décrire. La première lettre que j'ai vue était S, qui est Satan le destructeur. Puis la lettre I, qui était l'impudicité. Puis la lettre D qui était destructeur, en la lettre A qui voulait dire assassin. Mais ce fut quand j'ai regardé attentivement que j'ai vu que ces lettres constituaient le mot sida. Jésus me dit, Mimi, y a-t-il le sida dans tout pays? Je lui ai répondu, absolument, beaucoup de gens meurent de ce maladie. Jésus me dit, ils meurent comment? Je lui dis, ils maigrissent, et ils ont comme le feu qui le brûle. Ensuite les anticorps se relâchent. Jésus dit, beaucoup de personnes disent que le sida est ma punition pour le monde. Mais c'est faux. Seulement ceux qui vivent dans l'impudicité qui contractent ce maladie. Mes enfants qui marchent dans ma parole ne l'auront jamais. Mais le diable ne donne rien pour rien. Il est le chevalier du cheval blanc qui tient l'arc et le flèche pour rémunérer et frapper ceux qui se jouissent de ses possessions qui sont le péché. Quand tu prends plaisir au péché, sache Satan que le chevalier qui tient l'arc est prêt à te punir. Jésus me dit, quand quelqu'un découvre qu'il a le sida, Satan personnellement va entrer dans son cœur, car il est dans le désespoir et panique. Une fois que le diable entre dans la vie de celui qui a contracté le sida, l'esprit de l'impudicité va entrer dans la vie de cette personne. Il va se lancer dans l'impudicité, il ne voudra pas mourir seul, il va se mettre à propager cette maladie de façon délibérée, il va chercher à cause la destruction de beaucoup de vies, car le diable qui est en lui va le pousser dans ce méfait. Après avoir propagé cette maladie, c'est alors que le dragon, le destructeur, va entrer dans la vie de cet homme sidactique. Le dragon va détruire son système et ses organes corporels graduellement. Les gens vont parler des anticorps qui s'affaiblissent. Mais à vrai dire, c'est le dragon, qui est l'assassin qui tient l'arc et le flush. Raison pour laquelle les gens parlent du feu sur le corps de sidactique, car le dragon qui respire et crache le feu est entré dans la personne. Jésus me dit, Mimi, le sida ne vient pas de moi. Et si mes enfants tombent victimes de ce maladie, ils seront guéris. Puis Jésus me montra un train qui parcourait le chemin de fer. Tandis que le train se mouvait, les gens descendaient à leur station de destination. Jésus me dit, Mimi, votre monde la terre est comme un train qui voyage, et tout le monde va descendre du train dans son station de destination. Mais ce train se dirige sûrement vers la destination finale. Mais pendant que le train se déplace, chaque homme vivant sur la terre a un rendez-vous avec la mort qui est sa station d'atterrissage, qui le conduira soit à la félicité éternelle ou la condamnation éternelle. Chaque homme vivant sur la terre est comme en train de voyager dans ce train. Quand son heure arrive, il descend du train. Jésus parlait de la mort. Puis nous sommes allés à une fontaine. Jésus a pris une coupe d'or et puisa de l'eau vive dans l'une des fontaines du royaume céleste et m'a fait boire l'eau de la vie. Il m'a fait boire trois fois. Et il m'a offert une chaise et nous avons commencé à dialoguer. Une fois que nous avons pris place devant cette table, il me dit, Mimi, posez-moi n'importe quelle question que tu veux.
Je lui ai dit que je n'avais pas de questions. Jésus me dit, « Mimi, vous êtes devant le Fils de l'homme, mais vous dites que vous n'avez pas de questions. Bien-aimé, étant donné que j'étais pas converti, je ne savais pas ce que le terme « Fils de l'homme » voulait dire. » Jésus dit, « Mimi, dans votre monde sur la terre il fait nuit. » Quand Jésus parla ainsi, j'ai commencé à rire. Je lui ai dit, « Frère, tu ne vis pas dans notre pays sur la terre, c'est pour ça que tu parles comme ça. Dans notre pays, il y a un cycle de jour et de nuit. » Jésus me dit, « Mimi, dans le calendrier de Dieu, le monde est dans la nuit profonde. » Ensuite j'ai vu Jésus faire une signe avec sa main. En conséquence, j'ai vu comme un tunnel qui allait du ciel jusque sur la terre. Ce tunnel montrait la planète Terre. Quand je regardais, je pouvais voir que la terre entière était couverte de ténèbres absolues. Jésus dit, « Mimi, il fait nuit dans l'horloge prophétique et divine. C'est pourquoi vous voyez l'abomination et l'immoralité dans le monde. Mais le matin arrive où tout sera exposé. C'est parce que vous êtes dans la nuit que vous allez voir les hommes mettre des boucles d'oreilles comme des femmes. Les hommes font des cheveux comme des femmes. Les hommes épousent les hommes. Mais l'étoile du matin arrive et sa lumière exposera tout ce qui se fait dans le ténèbre. » Ensuite j'ai vu Jésus dessiner un tableau prophétique. Il a écrit dans les titres de ce tableau, « L'obscurité et la lumière ». Sous le titre « Obscurité », il a décrit la persécution, l'enlèvement, la tribulation, 3 ans de paix et la nuit profonde, et finalement il a écrit la lumière du jour. Jésus me dit, « En un clin d'œil l'enlèvement se produira, ceci va introduire la tribulation dans le monde. Les saints doivent marcher dans la sanctification parce qu'il fait nuit sur la terre. Pourtant beaucoup de croyants manquent de l'huile dans leurs lampes. Je demanda à Jésus à quoi servait la lampe et l'huile. Il me dit, « Si quelqu'un vient à l'église mais il ne vit pas selon mon esprit, il manque d'huile dans sa lampe. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Je dialoguais avec le Seigneur Jésus-Christ alors que nous étions assis devant cette table, mais sur cette table il y avait un bâton, une clé et une épée. Puis Jésus m'a donné le bâton, il me dit, « Ceci tient la maison ensemble, ceci est l'autorité. » Puis Jésus m'a donné l'épée. J'ai dit à Jésus, « Mon frère, je ne suis pas dans les histoires de combat ou de guerre. » Il me dit, « Cette épée est ma parole, ne sortez pas de ma parole. » Comme il est écrit, « Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Enfin Jésus me donna la clé, et il me dit, « Mimi, vous devez libérer mon peuple, ils sont dans la servitude, ils ne sont pas libres, vous devez libérer mes enfants des diverses prisons de l'ennemi. » Ensuite Jésus me dit, « Mimi, le train que vous avez vu qui est la représentation de votre monde s'arrêtera à la destination finale, mais pour le moment les passagers qui sont les habitants de la terre descendront chacun à sa station spécifique. » Jésus me dit, « Mimi, le monde se dirige vers sa destination finale, on s'achemine vers la fin de toutes choses. » Comme Jésus parlait, je pouvais voir comme dans un écran la mort du pécheur et la mort du chrétien racheté. J'ai vu des gens qui rendaient leurs âmes, j'ai vu ceux qui se sont purifiés, ils se sont transformés en lumière éclatante et glorieuse. Ils furent revêtus de vêtements du blanc pur, ils étaient reçus par des anges de lumière, ils portaient des couronnes construites en pierres précieuses. Jésus me dit, « Ceux-ci sont ceux qui se sont purifiés et sanctifiés. » J'ai vu qu'ils étaient reçus par les anges et ils chantaient tous « Hosanna ». Ils étaient glorieux, c'était le plus beau jour de leur vie, parce qu'ils ont marché dans la sainteté et ils se sont purifiés. Et ils ont vaincu le monde et la chair. Ils étaient remplis de ravissement, de joie et d'un esprit de louange. Ils chantaient avec les anges « Hosanna à l'agneau de Dieu ». Mais j'ai vu la mort horrible des pécheurs. Au lieu de se transformer en lumière radieuse comme les chrétiens vainqueurs et les rachetés, ils subissaient des changements physiques qui étaient la dégradation et la dégénération. J'ai vu un homme dont la bouche était devenue grande parce que pendant sa vie sur terre il utilisait sa bouche pour abuser et pour insulter les autres. J'ai vu un homme dont les mains étaient devenues grandes parce qu'il volait pendant sa vie. Les pécheurs étaient dans la confusion et pleuraient. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas être nés en premier lieu. Puis Jésus me transporta à une station de paradis. Immédiatement j'ai remarqué que j'étais habillé en vêtements blancs purs et éclatants. J'ai vu de multitudes de saints qui étaient habillés en vêtements blancs plus purs qui brillaient. Je t'ai informé qu'ils viennent d'arriver de la terre parce qu'ils se sont sanctifiés et ont gardé leurs vêtements blancs et sans tache. À côté de chacun de ces chrétiens rachetés, je pouvais voir leurs photos. Chacun avait sa photo à ses côtés, mais j'ai vu également des photos de personnes qui n'étaient pas présentes ici. On m'a dit que c'était des photos des enfants et de serviteurs de Dieu qui sont vivants sur la terre mais qui marchent dans la sainteté et la purification. J'ai aussi vu beaucoup de cadres de photos qui étaient vides. On m'a dit que ceci était le cadre de photos de gens dont le nom est dans le livre de vie avant la fondation du monde. À un certain moment, ils vont venir à Jésus, mais ils ne sont pas encore venus à Christ. Mais le royaume des cieux attend qu'ils répondent à l'évangile et qu'ils acceptent Jésus-Christ. Jésus me dit, « Mimi, quand la Bible dit,
L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce passage parle d'abord de moi, bien que vous le preniez pour vous. En effet, j'ai laissé mon père dans les cieux et je suis descendu sur terre pour épouser ma femme qui est l'Église. Et je suis une chair et un corps avec mon Église. Jésus me dit, Mimi, ce qui est écrit dans le Cantique de Cantiques est seulement sur moi et ma femme l'Église. Cela n'a rien à voir avec votre mariage terrestre, Mimi. Je suis celui qui a inspiré mon serviteur Salomon d'écrire ce livre qui représente mon union avec mon épouse l'Église. Dans ce livre, il est écrit quand une femme regarde son mari dans les yeux, elle est contente. Jésus dit, quand mon Église voit des visions, des révélations et des songes, elle se sent proche de moi le Christ. Ce passage ne doit pas être interprété littéralement. D'autre part, quand la Bible dit que le mari est heureux quand elle voit sa femme parler, ce passage signifie que quand je vois l'Église, ma femme, propager la bonne nouvelle de l'Évangile de par le monde, je suis heureux. La proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile par l'Église, ma femme, fait ma joie. Jésus me dit, le cantique de cantique n'est pas pour le mariage terrestre, mais plutôt de mon union avec mon Église. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs ont du mal à saisir le sens de ce livre. Puis nous avons atterri dans un endroit où il était écrit, prison de la chair, prison de l'âme et prison de l'esprit. J'ai demandé à Jésus, c'est quoi cet endroit? Jésus me dit, ceux-ci sont les prisons invisibles de Satan. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui sont dans les prisons invisibles, y compris les chrétiens. J'ai demandé Jésus, c'est quoi la prison de la chair? Jésus me dit, il y a des gens sur la terre qui vivent dans la mode et les tendances. À chaque fois qu'un nouveau vêtement sort, ils courent pour l'avoir. À chaque fois qu'une nouvelle coiffure ou tatouage est en vogue, ils se précipitent. Jésus me dit, Mimi, ceci est votre style de vie. Ainsi donc, vous êtes dans la prison de la chair, et vous dormez avec les hommes pour satisfaire votre chair. Alors j'ai demandé à Jésus sur la prison de l'âme. Il me dit, Mimi, beaucoup sur la terre sont dans la haine, la colère, le rancune, le conflit. Jésus dit, les gens qui sont colériques et conflictuels sont dans la prison de l'âme, leurs pensées sont contrôlées. Ils pensent et méditent des pensées négatives. Les gens dont les âmes sont dans la prison sont défensifs, et ils prennent des choses personnelles, parce qu'ils pensent beaucoup. Mais leur processus de pensée est contrôlé. Même si un prédicateur prêche généralement, ils penseront qu'ils sont visés. Tous ceux qui ont des problèmes des cœurs comme la manque de pardon, la jalousie, l'orgueil, l'animosité, l'intempérance, la méchanceté, rancœur, ils sont dans ce prison de l'âme. Alors j'ai demandé Jésus sur la prison de l'esprit. Jésus m'a dit, beaucoup de chrétiens sont emprisonnés dans cet endroit. Ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas lire la Bible, ils ne peuvent pas jeûner. Et quand ils dorment, ils ne peuvent pas rêver car leurs esprits sont emprisonnés. Ils doivent passer par la délivrance après la repentance. Jésus me dit, beaucoup des gens sont transférés de la prison de l'esprit au séjour de mort. Beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché sont déjà placés dans le séjour de mort. Il y a des gens vivants sur la terre mais leurs esprits sont placés dans le séjour de mort. Une fois qu'ils meurent, ils vont se réveiller subitement en enfer. Quoiqu'ils sont vivants sur la terre, ils sont transférés de la prison de l'esprit au séjour de mort. Quand un chrétien ne peut plus prier ou lire la Bible, il n'est plus libre, il est sans doute en prison. Puis, nous sommes allés vers un endroit où Jésus m'a montré un groupe d'étangs dans lequel il y avait des poissons. Il y avait de nombreux étangs remplis de poissons dans cet endroit. Quand nous avons commencé à visiter le premier étang, j'ai été surpris de voir qu'il y avait des poissons morts et des poissons vivants dans le même étang. Pendant qu'on observait ces poissons, j'ai vu le propriétaire de l'étang qui est venu pour l'inspecter. Quand il est venu, il a bougé l'eau et pris le poisson et il est parti. Il a ignoré les poissons qui étaient morts et pourrissaient dans cet étang. J'étais surpris et dérangé parce que je m'attendais à ce qu'il enlève le poisson mort de l'eau. C'est ainsi que Jésus m'a dit, « Mimi, es-tu blessé ?» Bien sûr, j'ai répondu. J'ai dit qu'il aurait dû enlever le poisson mort et changer l'eau qui est devenue sale. Jésus me dit, « Mimi, si un homme comme toi est blessé, à combien plus fort raison moi qui ai Dieu, Mimi ?» Cet étang est la représentation de mon Église, et les poissons sont les âmes que j'ai rachetées avec mon sang. J'ai dit à Pierre, « Viens, je te ferai pêcheur d'hommes. » Le propriétaire de l'étang sont des hommes de Dieu que j'ai confié la tâche de prendre soin de mes enfants. Mais comme vous pouvez le voir, ils ne s'intéressent pas à la santé spirituelle de mes enfants. Ils se fichent de savoir qui est vivant et qui est mort, qui est libre et qui est lié. Ils ne se soucient pas si une âme rétrograde ou grandit spirituellement. Ils ne font pas le suivi sur mes enfants qui se sont relâchés dans leur foi. Ils ne viennent que chercher du poisson dans le tang et manger. Ils utilisent mon peuple. Ils ne se soucient que de la quantité et du nombre, mais pas la condition des gens qui viennent à leurs églises. Puis nous sommes allés visiter un autre étang.
Dans cet étang, j'ai vu des poissons qui mangeaient d'autres poissons et j'étais surpris. Jésus me dit, cet étang représente l'état de l'église d'aujourd'hui. Pendant que nous regardions, j'ai vu le propriétaire de l'étang venir vérifier cet étang. J'ai constaté qu'il n'était pas dérangé par le fait que ce poisson mangeait d'autres poissons. Il est venu, Jésus me dit, il utilise les membres de l'église pour son intérêt personnel. Il y a des églises où le pasteur couche avec le chanteur ou les intercesseurs. Le poisson qui mange d'autres poissons est l'image du chrétien qui sont une pierre d'achoppement pour d'autres chrétiens. Ils offensent et abusent d'autres croyants. Vous verrez un chanteur forniquer avec un intercesseur et le pasteur avoir une liaison sexuelle avec un membre. Un adorateur qui couche avec un gagneur d'âme. Ceci est le sens des poissons qui mangent des poissons. Mes frères et sœurs, quelle abomination! Dieu a dit de parler ici. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Si vous n'avez pas encore constaté ça, dites-le moi. Aujourd'hui là, c'est l'argent qui intéresse les hommes de Dieu. L'argent, 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 l'argent. Comment construire telle église? Comment construire, acheter de nouveaux appareils? Alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir dans l'église. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu est en train de nous parler pour nous dire qu'il faut vraiment faire des efforts pour changer nos voies, changer notre mentalité. Et il faut tout simplement observer ce que lui nous a prescrit comme commandement. L'argent, tout ça, même les maisons que tu veux construire, l'église que tu vas construire là, ça va rester sur la terre. Mais toi, tu peux te demander des comptes. Voici des gens qui sont là dans ton église, qui ont abandonné le chemin de Dieu, même qui s'habillent en vêtements de sexy, toutes ces choses qui viennent à l'église. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu as fait pour lutter contre ça? Voilà. Dieu va pas te demander combien de millions tu as eu, combien d'églises tu as construites, combien de temples tu as construites. Il n'a pas bien ça. C'est pourquoi je profite de cette belle opportunité pour dire, mes chers abonnés, et mes futurs abonnés, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vraiment veille sur vous. Et vous guide dans vos choix. Niels Reborn est venu pour vous révéler la vérité sur la vérité et rien que la vérité sur tout ce qui se passe dans ce monde. Comment faire pour être délivré. Dès que vous venez au Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, sachez que vous allez trouver le bon chemin. Continuez à prier et demeurez sur ce chemin-là jusqu'à la fin. C'est tout ce que nous vous demandons de faire. Et pendant que vous priez, priez également pour tous ceux qui sont abonnés sur Nyan Scribon comme vous. Si vous priez pour tous les abonnés et que chacun de nous prie pour les autres, c'est sûr que nous allons devenir plus forts que forts. Et moi, ou encore l'équipe Nyan Scribon, fera de même. C'est pourquoi nous prions aussi pour vous. Nous voulons tous plaire à Dieu. Nous voulons que le Seigneur Jésus soit content de nous. C'est pourquoi nous, ce soir, nous considérons la parole de Dieu à ce niveau et nous vous demandons tous, mes frères et sœurs, de faire ce que le Seigneur nous recommande de faire ce soir pour que nous soyons tous parfaits. Merci d'avoir écouté ce message. Merci pour le penser à plus. Si vous avez reçu ce message, écrivez dans la partie commentaire. On le fera. Ainsi, je saurai que vous avez reçu ce message. Ou encore, que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Merci pour le penser à plus. Créateur qui couche avec un gagneur d'âme. Ceci est le sens des poissons qui mangent des poissons. Il y a de nombreux pasteurs insouciants. Ils ne prêcheraient pas la repentance parce qu'ils sont eux-mêmes dans la fornication. Mais le jugement commencera dans l'église, et les pasteurs seront jugés sévèrement. Lorsque nous avons visité le troisième étang, j'ai vu qu'il y avait une ouverture dans l'étang où l'eau fuyait, et les poissons tombaient sur le sol sec et mouraient. Certains étaient déjà en train de pourrir. Puis j'ai vu le propriétaire de cet étang venir inspecter son étang. Il a vu qu'il y avait une ouverture et que les poissons tombaient sur le sol sec où il n'y avait pas de l'eau, et ils avaient du mal à respirer, mais il a ignoré cette situation d'une façon délibérée.
En plus de cela, il remarqua que l'eau de l'étang était sale. En dépit de ceci, il ne se soucia pas de changer l'eau ou de faire quelque chose à propos de l'ouverture qui tuait le poisson. Jésus me dit, « Mimi, comme vous pouvez le constater, ceci est un pasteur sans cœur. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de cœur. L'eau sale que vous voyez est le faux enseignement et les fausses doctrines de démons qui affligent l'Église en ce temps de la faim. Beaucoup de mes enfants mangent de la nourriture pourrie, et ils boivent de l'eau sale qui sont des fausses doctrines. Mais ces eaux sales sont destructrices et nuisibles. » Jésus me dit, « Mimi, je vous ai dit que le serpent crache de l'eau sale contre la femme qui est l'Église. Et la femme fuyait dans le désert, qui est la condition de l'Église d'aujourd'hui. Il y a la manque de la nourriture spirituelle et les gens cherchent la parole qui leur donnera la vie, parce que le diable crache de l'eau sale de fausses doctrines du matérialisme et de la prospérité partout. Mais la Bible dit que la femme a été sécurisée par les deux ailes de l'aigle qui est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Jésus dit, l'eau pure provoque la repentance, la purification et la sanctification. Mais en ce temps de la fin, le serpent déploie des fausses doctrines et des faux enseignements du matérialisme et de formalisme. Bien-aimés, nous sommes dans le désert. En ce temps de la faim, il est difficile de trouver un bon berger qui prendra soin des brebis. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, le pasteur ne se soucie pas de vous. Il se soucie seulement de ceux qui sont en bonne position dans la société. Jésus me dit, « Mimi, un homme a dit à sa femme d'acheter des fourchettes et des cuillères parce qu'ils vont recevoir de nombreux invités. Mais le jour de la célébration, le mari se rendit compte que sa femme n'a pas fait les choses selon ses instructions. En fait, il manquait de cuillères et de fourchettes pour les invités ce jour-là. Par conséquent, le mari s'était fâché. Jésus me dit, « Mimi, si le mari est en colère parce que la femme a échoué de suivre ses instructions, à combien plus forte raison moi qui ai l'époux je serai en colère ce jour-là ? » J'étais silencieux écoutant Jésus-Christ qui parlait. Jésus me dit, « Mimi, j'étais la pierre que David avait tirée sur Goliath. » David utilisait le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Jésus a dit, « Quand je suis entré dans le temple, j'ai chassé les gens qui vendaient des animaux parce que ma maison est un lieu de prière. Les gens qui vendaient des animaux sont mes serviteurs. Ils devaient montrer aux gens l'agneau. Ils devaient prêcher la repentance et la purification. Ils devaient préparer mon peuple parce que le temps est court. Mais ils se sont fait piéger avec le message de prospérité. Et ils n'arrivent pas à préparer mon peuple. Ils servent leur ventre qui est devenu leur Dieu. Les gens viennent à l'église avec de motifs vains. Et s'ils n'obtiennent pas ce pourquoi ils sont venus chercher, ils se relâchent. Ses serviteurs ne prêcheraient pas sur le péché et la repentance par peur de repousser les gens. Ils ne veulent pas contrarier ceux qui vivent dans le péché parce qu'ils sont leurs partenaires financiers. Mais moi je veux les cœurs de Jean. Je cherche que les cœurs pâlent dehors. Ce qui importe est la qualité et non la quantité. Jésus me dit qu'il avait chassé les changeurs d'argent dans le temple. Ceci veut dire qu'il y avait échange. Le monde est entré dans l'église et l'église est entrée dans le monde. Les choses vaines comme la mode, la richesse et la tendance de ce monde sont entrées dans l'église. Le vêtement indécent à caractère pornographique et le danse mondain sont entrés dans l'église. Jésus dit, « Mes serviteurs vendent pigeons dans le temple. Ceci est l'image du Saint-Esprit et de l'onction. Malgré le fait que j'ai leur dit, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Pourtant ils vendent le pigeon qui est l'huile et le Saint-Esprit. Mes serviteurs sont censés préparer mon peuple pour l'enlèvement, ils devraient enseigner la purification et la sainteté, mais ils vendent des animaux. Ils ont peur de prêcher la sainteté et la sanctification, de peur de repousser ceux qui aiment la prospérité, même quand mon peuple sont dans le péché. Ces dirigeants leur prêchent encore la prospérité, lac de feu, je cherche les gens cœur pas l'extérieur, ce qui importe est la qualité pas la quantité. Jésus me dit, Mimi, je parle à mes enfants de plusieurs façons. Parfois je leur parle à travers le nombre et à travers les couleurs, mais ils ne comprennent pas mon langage. En ce qui concerne le nombre, il faut savoir que le numéro 1 représente Dieu dans sa totalité. Le numéro 2 signifie la division et la séparation avec le diable et le monde. Jésus aimerait que nous puissions nous séparer des gens, des amis du monde. Le numéro 3 est une représentation du changement et de la résurrection. Il doit avoir une différence entre un croyant en Jésus-Christ et un non-croyant. Les Juifs ont dit à Pierre, « Vous ressemblez à cet homme. » Mais Pierre refusait. Pourtant Pierre reflétait déjà l'image de Jésus-Christ. Pendant que je parlais à Jésus, il a disparu devant moi. Je me demandais où il était allé, quand soudainement j'ai vu de l'eau. Cette eau qui était bleue avait la forme d'un losange. Puis j'ai vu une main au-dessus de l'eau. J'ai aussi vu arbre au milieu de ce fleuve bleuâtre. Comme j'observais ce fleuve, j'ai vu un lion venir. Puis ce lion s'est transformé en un homme. Ce lion était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il me dit, « Mimi, viens vers moi. » Une fois que je approchais l'eau où Jésus se tenait,
J'ai vu comme sept chiffres. J'ai vu des couleurs et 12 pierres. Je ne pouvais pas comprendre le sens de tout ceci. Je me suis demandé comment un arbre peut grandir au milieu de la rivière. Jésus me dit, « Mimi, je suis l'arbre de vie, les branches de l'arbre sont mes enfants. » Je me demande quelle est cette main au-dessus de fleuve. Jésus dit, « Cette main est le chandelier, les 5 doigts de ma main et le 5 ministères. » Jésus dit que les 12 pierres sont les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Puis Jésus dit, « 12 est mon numéro, car 1 plus 2 égale à 3. » Le numéro 3 qui est aussi mon numéro est le chiffre de la divinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Jésus dit, le disciple 12 plus moi me mettait comme 13. C'est pourquoi un d'entre nous devait nous quitter pour que nous ayons le nombre 12 qui est égal à 3. C'est pourquoi Judas Bou avait quitté et nous sommes restés avec 11 disciples plus moi-même qui est égal à 12. Et donc mon numéro est 777, le numéro du diable est 666. Si vous calculez mon numéro 777, vous verrez que 7 plus 7 égale à 14, 14 plus est égal à 21. Quand nous prenons 21, 2 plus 1 égale 3 qui est le numéro de la divinité, Jésus me dit, il y a 12 couronnes dans le ciel, qui sont les 12 puissances. Le diable est tombé du ciel avec la couronne numéro 8, la couronne numéro 9 et la couronne numéro 11. Ceux-ci sont ses pouvoirs, et il peut intimider beaucoup. Il peut faire des démonstrations, mais j'ai 12 couronnes, Jésus m'a dit, dites aux hommes de Dieu, quand un nouveau venu arrivera dans l'église, il ne devrait pas sauter ou brûler des étapes, il ne devrait pas être offert de positionner juste comme ça, il devrait passer par un processus de maturation. Parce que dans le mystère du numérologie, le nombre signifie la totalité, cet homme nouvellement venu doit chercher Dieu dans sa totalité. Le numéro 2 signifie séparation, détachement et partition. Il doit se séparer et se détacher du monde. Il doit crucifier la chair. Le nombre 3 signifie changement et résurrection. Il doit changer. Le nombre 4 est la puissance de Dieu. Cela signifie qu'il devrait chercher à être rempli et revêtir de la puissance de Dieu. Le numéro 5 est la main de Dieu. Ceci signifie qu'il devrait chercher la main de Dieu dans son lavis. Le numéro 7 est la perfection. Il doit travailler pour chercher la perfection. Puis je regardais Jésus et il me regarda et dit, le nombre 10 signifie la grâce, le numéro 12 est la divinité. Il me dit, le diable n'est pas tombé avec ces chiffres, il est tombé avec le numéro 8,9 et 11, mais le numéro 12 est pour moi, c'est pourquoi j'ai choisi le 12 disciple. Jésus me dit, quand quelqu'un vient à l'église, il doit chercher Dieu. Il doit être séparé du monde, il doit être changé, il doit être en présence de Dieu, il doit être perfectionné. Puis me dit, laissez-moi vous parler de couleurs. La couleur blanche est la sainteté, la couleur jaune la fidélité, la couleur rouge signifie la purification, la couleur verte la joie, la couleur jaune est la paix, l'orange est la bonté du Seigneur, la couleur rose est la tempérance, le gris la couleur est la douceur, violet est la couleur et la prudence. Nous avons atterri dans un endroit où il y avait beaucoup de biens terrestres que vous pouvez imaginer. Ce qui me frappa est que j'ai vu un vêtement que j'ai donné à un ami il y a plusieurs années. J'ai dit à l'ange du Seigneur, ce vêtement était le mien. L'ange me dit, cet endroit est un poubelle, on jette les choses que vous donnez aux gens à contre-cœur avec murmure. L'ange me dit, Mimi, quand tu donnais à ton ami ce vêtement tu l'as dénigré dans ton cœur. C'est pourquoi ce vêtement se retrouva ici dans le poubelle. Il y avait des insectes qui mangeaient les choses que je voyais ici. L'ange me dit, tu vas dire aux croyants, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un dans le besoin, ne murmure pas en vous, faites-le de bon cœur sinon il finira dans la poubelle. Cet endroit était véritablement une poubelle, et il était plein de biens terrestres que les gens offraient leurs semblables en double cœur, plus tard. Ma frère et soeur, ce témoignage est vraiment puissant. Dieu a révélé vraiment des choses qu'il avait dans le cœur. Il avait vraiment grossi le cœur. Hein? Il avait vraiment grossi le cœur. Vous avez vu combien de temps il a parlé? Et tout ce qu'il a révélé, franchement, c'est grave. Il est passé par l'industrie de la musique. Il a touché les vrais chrétiens. Il a terminé par les toucher les hommes de Dieu. Ça veut tout dire. Ça veut dire que Dieu voit tout. Il nous voit aujourd'hui et il veut qu'on change. Mes frères et sœurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez un j'aime. Abonnez-vous à tous ceux qui cliquez sur les abonnés, cliquez sur la cloche pour l'activer et regardez la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Que Dieu bénisse vos soeurs. Prenez soin de vous et prenez la décision qu'il faut maintenant pour changer vos voies. Que Dieu bénisse vos soeurs. Let's go.